aujourd'hui, l'usine Bologne est en mouvement parce que, pour la première fois d'ailleurs de son histoire, parce que les salariés de Bologne sont très mécontents d'une situation grave depuis un an et demi, qui a conduit le nouveau directeur au licenciement de deux collègues. Et il est important aujourd'hui que l'ensemble du personnel se mobilise pour essayer de comprendre d'abord les raisons qui ont motivé ce licenciement. Ces deux licenciements pour faute lourde. Aucune explication ne nous a jamais été donnée. Et nous sommes convaincus que soit notre direction rentre en négociation pour donner des raisons qui soient légales et fiables, soit ce mouvement ne peut que inciter notre direction à comprendre que pour, comme je disais tout à l'heure, la première fois de son histoire, les salariés de Bologne ne vont pas accepter de se laisser manipuler et de mettre en danger leur outil de travail sans avoir plus d'éléments. L'ensemble du personnel est totalement mobilisé, c'est-à-dire que nous sommes une petite entreprise de à peu près 38 personnes. Vous voyez ici d'ailleurs, nous sommes à environ 35-36, c'est-à-dire qu'on peut dire que 90% du personnel est actuellement devant l'usine de Bologne pour manifester son mécontentement. Nous resterons mobilisés le temps qu'il faudra. Bon, on espère que ça durera le moins longtemps possible parce que ce n'est pas non plus la solution finale. Mais l'ensemble du personnel, effectivement, restera mobilisé jusqu'à ce que nous ayons obtenu satisfaction. Nous sommes intransigeants sur ces licenciements qui sont totalement abusifs à notre esprit, tout simplement parce qu'on ne sait pas pourquoi ces salariés ont été licenciés pour faute lourde. D'autant qu'un de ces salariés est en arrêt maladie depuis maintenant presque un an et demi même. Et je ne vois pas quelle faute lourde il a pu faire en un an et demi pendant son arrêt maladie. Mais nous, personnellement, ça a fait deux mois que nous en conflit avec cette direction-là, qui veut licencier deux camarades de nous et pour faute lourde. Et nous prenons pour avis à directeur là, puis pour nous par rapport à ça, nous commander des preuves et des preuves par rapport à nous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Là. Nous, on est en famille. Depuis que la nouveau directeur est arrivé, qu'il a terreau qu'a signé l'entreprise là, que c'est licenciement par là, licenciement par aussi, et que nous ne pouvons pas accepter ces gens de dire ça. Il faut que la direction attende. Il faut que vous compreniez que nous ne pouvons pas licencier mon conseil, que nous mobilisons là et nous ne pouvons pas démocratiser.